Un autre état qui pourrait être traité avec les cannabinoïdes, c'est l'anxiété, la dépression. Des expériences sur les animaux ont montré que si on bloque la désactivation de l'anandamide, le chemin qui mène à la destruction de l'anandamide, et qu'on augmente la quantité d'anandamide, au lieu d'avoir les effets que provoque l'activation des récepteurs cannabinoïdes, on n'aura que des effets très sélectifs, y compris un important effet anti-anxiété chez les animaux. Quand l'anandamide a achevé sa mission dans la synapse, elle retourne dans le neurone. Elle est alors éliminée par d'autres molécules. Si un médicament empêchait cette destruction, l'anandamide pourrait agir beaucoup plus longtemps. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera sur les humains de la même manière, mais c'est un début et nous pouvons maintenant développer de nouveaux composants qui nous mèneront peut-être à des médicaments contre l'anxiété pour les humains. Je ne pense pas que la création d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs basés sur le système endocannabinoïque sera facile, ni même qu'ils seront disponibles dans les 2 ou 5 prochaines années. Mais je crois que dans les 10 à 20 ans à venir, des médicaments pour les troubles neuropsychiatriques basés sur le système endocannabinoïde seront utilisés à grande échelle.